Bonjour. Ça va Jérémy? Ça va et toi? En forme? Ouais. Alors je t'emmène où? À Roland-Garros s'il te plaît. Allez, Roland-Garros, c'est parti. En ce moment tu habites à Londres? Ouais, c'est très sympa, c'est nouveau mais très sympa pour moi. Et ça te fait quelque chose de revenir à Paris? J'adore Paris, c'est quand même une ville exceptionnelle, c'est une des plus belles je pense au monde et puis je me sens, c'est toujours bien de jouer à la maison, en France, devant le public. Et t'as un petit rituel avant les matchs? J'ai toujours ma playlist. Il y a quoi dans la playlist de Jérémy Chardy? C'est des chansons qui me motivent ou qui... Donc c'est un petit peu... Ouais, c'est un peu... Un gros rythme et puis ça te... Ouais, voilà, ça me motive, ça me met dedans. D'accord. Et puis ça me met un peu plus dans ma bulle, un peu agressif et prêt au combat, quoi. D'accord. Et tu joues d'un instrument? Non, il vaut mieux pas, je pense. Je suis pas très très bon. Ouais. Le seul instrument que j'ai fait, c'est comme tout le monde à l'école, c'est la flûte. Mais... Avec le morceau qu'on faisait tous et voilà. On embêtait nos parents, voilà. C'est ça. On l'a tous fait. T'as commencé le tennis à quel âge? J'ai commencé à 6 ans. J'ai commencé le foot aussi, mm-hmm. Et le tennis. Je préférais le foot au début, pendant longtemps même. Ouais. Je préférais être avec les copains. Le sport d'équipe en fait. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Au final, j'ai choisi le tennis quand j'avais 14 ans. J'ai arrêté le foot et je me suis mis qu'au tennis. D'accord. Je pense que j'ai fait le choix aussi parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais plus fort, mais j'aimais toujours plus le foot. Ouais, bah justement, ouais. En parlant d'amis, c'est qui tes amis sur le circuit? Avec Lucas Pouille, c'est avec lui que je passe le plus de temps en dehors des tournois, on se voit, on va dîner ensemble. Le phénomène des fans, est-ce que ça te fait plaisir? Ça te met mal à l'aise? Non, ça me fait plaisir et puis surtout j'aime les gens. J'adore parler avec les gens, rencontrer des nouvelles personnes. Donc pour moi c'est pas un problème quand les personnes arrivent et parlent avec moi. J'aime bien ça. Donc. Jouer à la maison, c'est une pression ou c'est plutôt un plaisir? Pour moi, c'est pas une pression. C'est sûr que t'as quand même de la pression parce que t'as vraiment envie de bien jouer, de gagner. T'as de la chance d'être devant ton public, d'avoir tous les gens qui sont pour toi. Mm-hmm. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Et dans les moments où t'es un peu moins bien, parce qu'en 5-7, il y a toujours des moments où t'es un peu moins bien, mm-hmm. Et de les avoir derrière et d'avoir cette petite énergie en plus, ça fait parfois une grosse différence. Voilà, nous sommes arrivés. Bon entraînement, bon Merci tournoi, beaucoup. Jérémy, Merci. Vraiment. Salut. À bientôt. Ciao.